Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter le centre opérationnel CTA Codis. Pour commencer, qu'est-ce que le CTA, le centre de traitement des alertes? Lorsqu'une personne fait face à un accident, un malaise ou n'importe quel événement, qu'il a besoin de sapeurs-pompiers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son téléphone et il va composer le 18 ou le 112. À l'autre bout du fil, il y a forcément des sapeurs-pompiers qui vont répondre. Et donc, ils tomberont sur ce qu'on appelle des opérateurs 18. Ces opérateurs 18 sont des sapeurs-pompiers qui répondent au téléphone pour traiter l'alerte. C'est donc ce qu'on appelle le centre de traitement des alertes. Donc, eux, leur rôle, c'est uniquement de répondre au téléphone et d'envoyer les secours si besoin. Bien sûr, à chaque fois qu'il y aura un coup de téléphone, il n'y aura pas forcément les pompiers qui vont s'engager. Parfois, les gens appellent parce qu'ils sont un peu paniqués, ils ont besoin de conseils. Et du coup, le rôle du sapeur-pompier qui va décrocher, ça va être aussi d'apporter ses conseils, d'aiguiller, d'aider et parfois de trouver des solutions sans forcément envoyer les sapeurs-pompiers ou autres organismes de secours. Voilà, vous restez en ligne, je vais vous passer le SAMU encore un instant. Non, c'est pas du tout. De rien, au revoir. D'accord, alors c'est à domicile? Ouais. Donc ça fait 2 ans, nous, par contre, les NIDGAP sont payants. Tu donneras bien en consigne, s'il te plaît. C'est 150 euros le forfait. Quel étage? Oui. Non. Troisième étage. Et le nom, premier, c'est comment? Ici, en Moselle, et au moment où j'ai tourné cette vidéo, il y a 2 opérateurs au CTA. Dans le coin, discrètement, nous avons le commandant qui surveille ses hommes. Non, je plaisante, le commandant était juste en train de me faire visiter le CTA Codis. En passant, merci infiniment pour ton accueil. Donc comme je vous le disais, le jour où j'ai tourné cette vidéo, il y avait 2 opérateurs 18. Mais quand il y a un débordement et qu'il y a beaucoup d'appels, le CTA peut répondre jusqu'à 8 appels simultanément. Il y aura juste d'autres opérateurs qui viendront se poster sur les ordinateurs d'à côté. Continuons notre visite. Ici, nous avons le Codis. Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Alors qu'est-ce que le CODIS, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours? Donc eux, ils vont s'occuper de la gestion des moyens de secours du département. Ils assurent le suivi radio de l'intervention et ils traitent les demandes de renfort. En gros, c'est eux qui répondent à la radio. Donc voilà, donc eux, ils gèrent tout ce qui est opérationnel. Ils s'occupent pas de la victime. Eux, leur but, c'est de savoir quels véhicules sont sur intervention. Ils ont un visuel sur tout ça. Bien sûr, ça leur permet d'anticiper. Si une caserne est vide, ils vont pouvoir adapter un peu leur façon d'envoyer les secours. Comme le CTA, le CODIS a un rôle vraiment très important. Pour petit rappel, quand un fourgon part sur intervention, il va parler à la radio pour dire quand il se présente sur intervention, quand il demande des renforts, quand il est disponible, quand il rentre à la caserne. Et tout ça, c'est le CODIS qui va recevoir ces messages radio. Ils vont taper ça sur leur ordinateur et savoir où en est l'intervention et également où en est le département. Voilà, bien sûr, je parle avec mes mots pour que tout le monde puisse comprendre. Mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Alors tout ça, le CTA et le CODIS, c'est chapeauté par le chef de salle et son adjoint. Eux, ils veillent au bon fonctionnement du décroché du 18. Et ils apportent un soutien lorsque le traitement devient complexe. En clair, quand il commence à y avoir un peu trop d'appels, c'est eux qui vont appeler les collègues en renfort pour minimiser l'attente du 18. Et bien sûr, c'est eux qui rendent compte aux autorités lorsqu'il y a des grosses interventions en cours.
Ici, nous avons la salle de débordement. Alors qu'est-ce que la salle de débordement ? On va prendre par exemple des inondations. Admettons que la Moselle est touchée par des inondations, il va y avoir beaucoup d'appels. Et donc au centre opérationnel, ils vont ouvrir cette salle qu'on appelle la salle de débordement. Donc là, c'est juste des téléphones qui vont permettre de décrocher le plus rapidement possible et de traiter manuellement les alertes urgentes et non urgentes. Donc, vous avez pu le voir dans cette salle, il peut y avoir beaucoup d'opérateurs, ce qui permet de vraiment dégorger en cas de grosse catastrophe. Et enfin, ici, nous avons le CODIS renforcé. Ensuite, et pour finir, nous avons le CODIS renforcé, donc le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours renforcé. Là, c'est lorsque nous avons une grosse intervention, par exemple un gros incendie. Le CODIS ne sera plus suffisant pour pouvoir gérer cette intervention. Du coup, ils vont ouvrir le CODIS renforcé avec d'autres personnels qui vont pouvoir traiter uniquement cette intervention. Comme ça, le CODIS normal pourra gérer le reste des interventions du département. Voilà pour ce qu'est le CTA CODIS. J'espère avoir été assez clair. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai bien sûr avec plaisir. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques chiffres concernant les appels au sein du CTA du 1057 en Moselle. Donc, ils reçoivent à peu près par an 200 000 appels. Voilà, sur 2017, ils ont su 189 329 appels, générant 71 005 interventions. Donc le centre opérationnel de Moselle, donc celui que j'ai visité voilà, dans le 57, il y a 8 opérateurs le jour et 5 la nuit. Voilà, donc en gros, c'est une moyenne de 520 appels par jour. Un appel toutes les 2 minutes 45. Une intervention toutes les 7 minutes et 20 secondes. Et le délai moyen d'arriver sur zone est de 9 minutes 40. Donc il y a 9 minutes 40 qui se passent entre le coup de fil et les pompiers qui se présentent sur intervention. En moyenne dans le département de la Moselle. Donc la moyenne nationale est de 11 minutes 30. Donc ils sont meilleurs que la moyenne nationale. Donc voilà, donc ça fait pas mal d'interventions. Voilà pour les chiffres de la Moselle. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Voilà, ça c'était vraiment la partie opérationnelle du CTA CODIS. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous appelez le 18? Bien sûr, petit rappel qui n'est pas inutile, on appelle les pompiers qu'en cas d'extrême urgence. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je voulais aussi remercier le 1057 de m'avoir permis de visiter le CTA CODIS. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une belle nuit. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao. Oui. Non mais très bien. N'hésitez pas à rappeler au besoin. Merci à vous. Oui. Au revoir.